Dying Light est un jeu de survival horror et d'action à la première personne dont l'histoire se déroule dans un vaste monde ouvert infesté de dangers. Le jour, les joueurs exploreront un vaste environnement urbain en essayant désespérément d'y trouver toutes sortes de provisions et d'armes pour se protéger de la population infectée et perpétuelle croissance. La nuit, les infectés se montreront plus agressifs et plus violents et les chasseurs deviendront les proies. Les prédateurs qui n'apparaîtront qu'après le coucher du soleil seront plus terrifiants encore. Les joueurs devront utiliser toutes les ressources à leur disposition pour tenter de survivre jusqu'aux premières lueurs du matin. Bonne nuit et bonne chance. Le jour, les joueurs peuvent se déplacer librement à récupérer des provisions ou des armes. Mais à la nuit tombée, le jour subit une transformation radicale. Le chasseur devient la proie, et tandis que les infectés deviennent plus agressifs et déferlent en nombre, quelque chose de bien plus effrayant s'éveille pour traquer les proies. Qu'ils soient en train de traquer une proie ou d'échapper à des prédateurs, dans Dying Light, les joueurs pourront évoluer en toute liberté dans l'environnement. Sauter d'immeuble en immeuble, grimper le long des murs et frapper vos ennemis par surprise. L'histoire de Dying Light se déroule dans un monde ouvert très vaste composé d'environnements variés et peuplés d'ennemis en tout genre. Dans cette lutte désespérée pour la survie, les ressources se font rares et les infectés sont loin de représenter l'unique menace. Affronter les ennemis du corps à corps à l'aide d'une large gamme d'armes légères et lourdes, comprenant des couteaux, des battes, des haches, des marteaux et d'autres armes plus surprenantes, ou utiliser des armes à feu pour éliminer vos ennemis à distance. Dying Light comprend 4 personnages jouables que vous pouvez entièrement personnaliser et faire évoluer en fonction de votre style de jeu. Pourquoi utiliser une simple clé à molette alors que vous pouvez en faire une arme redoutable en l'entourant du fil de barbelé électrifié? Le système de création d'armes de Dying Light permet aux joueurs de créer à volonté de nouvelles armes et pièces d'équipement plus puissantes ainsi que des munitions spécialisées. Le gros troll va. Vas-y. Oh! Ah, j'ai tombé en plein dedans. Vas-y, soigne-moi, il reste 25 secondes avant que je bouge. Ouais, faut bouger là parce que il faut bouger. Ok. Ils sont trop là. J'étais tout seul. Waouh, le bug, regarde ouais. Le zombie là. Regarde. T'as vu la bonne femme là? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde le bug du zombie là, juste là. Qu'est-ce qu'il y a? Le roi Arthur. Mais c'est de toute beauté. Je suis à la moitié là. Okay. Bon allez, let's go. Ma batte elle est morte et j'ai rien d'autre. Bah si tu veux, je te donne la batte et tu me donnes le katana. Comme ça tu pourras dupliquer la batte. Oh. Oh, y a un rat. Ah, oh, je vais cramer. Ah, ah putain, du coup je te l'ai renvoyé. Attends, je vais te l'ai renvoyé. La fireball. On joue... Vas-y, vas-y. Ouais, super. Ah merde, j'ai tué, je suis désolé. Non, non, il était encore là. Il est encore là. Ah bah il est encore là. Vas-y, casse-toi. Attention. Chacun son tour. Il me propose de l'achever quand même. Ils se disent ouais, ah ouais, vas-y. Jouer avec lui. Ah, tu peux avoir des finitions comme. Oh merde. Wow. Tu peux avoir une finition. Et pas moi. Ouais, j'ai des finitions. Moi. Attention, on parle des finitions de zombies. Hein, Ouais, bah j'ai fini. Hein. Ouh! Moi j'avais ça. Ce que je lui ai mis, c'était sévère! Ouah! Ça a carrément. Ça lui a carrément coupé la tête, quoi. Ah ouais, la
serpe ça coupe. Hein. Ouais, il a plus la il a plus trop la tête sur les épaules, j'ai envie de te dire. Je vois, je vois. Alors je suis. Merde, fail. Wouah! Oh, y'a un virulent qui m'a buté! 25, 24! Oh putain! Ah putain! Oh, je l'ai eu en plein dedans. Il m'a mangé. Oh mec. Oh, je suis désolé, je vais reprendre la vie un peu. Vas-y. Ah, je l'ai tué. Ah, moi aussi. Oh, c'est gore. Oh. Reste pour demain et on ira les pécho. Si tu veux pécho des nounours, c'est toi qui vois. Ouais, bah écoute, hein, ça part. Hein. Pédobire. Voilà. On meurt quand on va dans l'eau. Ouais, ah, moi aussi. Salut. J'avoue. Enfin, si je peux, mais Oh, regarde, il y a les deux têtes. J'ai coupé la tête, t'as coupé la deuxième, ça fait deux têtes pour le même zombie. Ah, moi je vois pas. Ah, moi je te jure, je le vois. What the fuck. Okay. What? Que, ouais, c'est parce que. regarde. Attends. C'est là dans la bagnole. Vas-y, je le fouille. Attends, y'a un virulent. Wouah, j'ai fait plaisir, moi. Ouh, oh. Oh, tu l'as fait à la Randy Orton, mon gars. Tu l'as fait à la Randy Orton, c'est un truc de ouf. Et toi, tu t'as tout dégommé direct, toi. Tu m'as rien laissé, quoi. Mec armé partout. Hein? Regarde, je te montre où il faut passer. Où est-ce qu'il faut passer? Ok. Bah, t'es monté comment? J'ai le grappin, moi. Ah ouais, putain. Moi, je galère depuis tout à l'heure. Ah là. Salut, on est là. Merde. Ça lui a fait mal aux yeux. Tiens, prends de la lampe à UV, mon gars. Fais-toi bronzer. Fais gaffe. Oh merde! Wow. Oh non! Vas-y. UV. Vas-y! Ah! Il est où? Oh, what the fuck! Il y a eu un méchant bug. Vas-y. Ah non, il court trop vite, c'est la merde. Oh, j'avoue, wow. Regarde, il glisse avec toi. Oh, trop d'art. Oh là là. Oh, le bug. Regarde, comme jusqu'où il glisse. Non, mais c'est abusé, là. Ah, you. Oh là là. What the fuck. Hey les gars, donc ça y est, c'est terminé pour cette vidéo. Je tiens à vous montrer la boîte Dying Light sur PS4. On a joué sur PS4. Je m'excuse aussi parce qu'on a eu quelques problèmes techniques, du coup on n'a pas pu faire la vidéo à 100%. Je remercie Dresseur de jeu
d'avoir participé à cette vidéo. Merci à lui de sa gentillesse et tout. Et SkyCode06 qui s'est incrusté entre guillemets, mais ça nous a fait tous plaisir de l'avoir parmi nous. Il nous a bien aidé sur certaines choses dans Dying Light. Et du coup, on s'est bien éclaté pendant une nuit, même si à la fin on rageait et j'ai pas mis les vidéos où je rageais parce qu'il y avait que moi qui rageais vraiment. Je commençais à être fatigué, etc. etc. Donc, du coup, avec tous les problèmes techniques qu'on a eu, j'étais fatigué et j'en pouvais plus, j'étais énervé. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Commentez, likez, partagez, il n'y a pas de problème. Et puis merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Salut les gars!